Parce que ces problèmes d'électricité à l'Équateur, c'est depuis très longtemps que nous avons commencé à parler de ça. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Un grand jour pour notre province. Non seulement les notables, mais pour toute la population de l'Équateur. Que Bobo Oloko, c'est un homme de terrain. Et il a prouvé. Comme lui-même l'avait dit autrefois devant les chefs de l'État, Bassa a capé au nom. Voilà, merci à tous et à toutes, bienvenue chez nous. Nous sommes en direct de Kinshasa, sur place na Béatrice Hôtel Awa. À l'occasion de la cérémonie solennelle marquant la signature des accords de subvention et de partenariat entre la province de l'Équateur et la partie américaine, et j'ai l'honneur et le privilège de présider ce jour, qu'il me soit permis de saluer la présence distinguée de Son Excellence Madame l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en poste en République démocratique du Congo. La cérémonie de ce jour est sans contester la conséquence positive de cette diplomatie et l'accomplissement de la promesse du chef de l'État faite à la population de l'Équateur lors de la 9e session de la conférence des gouverneurs des provinces en Bataille. Toye awa na Kinshasa na gouverneur ya province elongo moko na bandeko ya bureau ensemble pour na ko sala ba accord signature ya ba accord entre gouvernement américain o ezali ko zala représenter na madame ambassadrice puis na gouverneur ya province Équateur pour na ko pesa courant na province Équateur donc William Bandaka à très bientôt ezako zala éclairer selon vision ya chef de l'État Fatou Béton pe na o ezako incarner pouvoir puissance na yep ko représenter valablement donc yé azali bongo représentant ya chef de l'État yende alobaka tango nyoso ke basala rapé boni tana na mandat na yé ndenge makambo ezali ko zala accompli aujourd'hui courant mbala liboso ye banda Équateur et banda Équateur tala mbala liboso lelo gouvernement ya Amérique Boyo kindenge hymne na bango ebeti mbali bosoku na yo kango boye et sali nga chair de poule. Donc on anglais. Na yo kango pema na anglais. Na mona ko ndire na za na Hollywood. Donc nzoka ndire na za na kati ya Kinshasa na kati ya RDC. Mona mboka bobo bolumbu aza motinda mianzambe ndenge na yo ka ke pa ya prophète Nzefa alobaki ki pena ya solo. Donc lelo ezalaki ba signature accord ya signature pour na lotili ki courant na mboka Mbandaka. Et un développement économique pour cette grande ville. Non seulement cela, mais notre projet pour aider à répondre aux besoins du changement climatique. C'est le meilleur de tout le monde. Nous attendons avec impatience non seulement la réalisation de l'étude avec une aide des entreprises et des citoyens de la RDC, mais l'objectif ultime de réaliser les projets et d'en faire non seulement une victoire pour Bandaka, mais pour les nombreuses autres grandes villes de la RDC, afin qu'ils réalisent leur potentiel pour leur population et pour le pays. Merci beaucoup. Mesdames et Messieurs les autorités du gouvernement national et provincial, Mesdames et Messieurs, chers collègues, bonjour. Je suis ravie d'être ici pour moi. Je viens d'arriver il y a 2 mois et cette opportunité d'être avec une société américaine qui veut investir dans la RDC, c'est vraiment un moment de joie pour moi. Cet accord montre comment les États-Unis travaillent avec le gouvernement et le peuple de la RDC pour façonner l'avenir. Dans ce cas, on faisait progresser des opportunités économiques qui profiteront à nos deux pays. USTDA, Agence des États-Unis pour le commerce et le développement, travaille aux côtés de l'industrie américaine pour
soutenir le développement d'infrastructures qualité dans les marchés émergents. Les subventions de préparation de projets de USDA sont essentielles au lancement d'infrastructures indispensables en les exigences techniques, en attirant les financements et en soutenant le déploiement de solutions américaines. Le programme essentiel amener les entreprises américaines dans les économies émergentes et pour uniformiser ce temps avec le micro. Chers collègues, chers amis, la solution au changement climatique est le développement durable dans tous les pays. Et les États-Unis sont le partenaire de la RDC pour qu'elle serve de pays solution au changement climatique mondial. Alors, la lutte contre le changement climatique nécessitera des investissements dans les énergies renouvelables. Et ce projet de centrale solaire à Badaka est en est un exemple parfait. Il doit y avoir de nouvelles opportunités économiques pareilles dans tous les coins de ce beau pays. Donc, nous sommes heureux que le gouverneur et le gouvernement de l'Équateur aient choisi de s'associer à AEG et à USTDA sur ce projet. Merci pour votre vision de ce projet et pour vous tourner vers les États-Unis en tant que partenaire de confiance. Ce projet qui consiste à développer un système solaire photovoltaïque et de stockage d'énergie à l'échelle des services publics serait l'une des premières du pays, sans parler de la station de recharge pour les véhicules électriques. C'est une excellente occasion d'aider à électrifier une ville de plus de 2 millions d'habitants avec une énergie propre et fiable. Et nous sommes ravis de voir l'impact que cela aura sur les foyers et les entreprises de Malaga. Ce projet ajoute également un élément de transport propre à la ville, créant potentiellement tout un écosystème d'énergie propre pour stimuler la croissance économique et les possibilités d'emploi. Nous espérons que le succès à Badaka pourra être un modèle que nous pourrons explorer dans d'autres régions du pays. Vive la coopération entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Excellence, Madame l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo, honorables députés nationaux et sénateurs, Excellence, Monsieur le ministre des Transports, Voies de communication et des Encadrements, honorable Madame la Présidente de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, honorable membre du Bureau permanent de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, Excellences, Messieurs les gouverneurs des provinces et chers collègues, Messieurs les membres du Conseil d'administration et du comité de gestion des entreprises étatiques, para-étatiques et privées, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectives, tout protocole respectif. À l'occasion de la cérémonie solennelle marquant la signature des accords de subvention et de partenariat entre la province de l'Équateur et la partie américaine, et j'ai l'honneur et le privilège de présider ce jour, qu'il me soit permis de saluer la présence distinguée de Son Excellence Madame l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en poste en République démocratique du Congo. Qu'il soit remercié les honorables députés nationaux et sénateurs
qui ont momentanément abandonné leurs peines respectives pour rehausser de leur présence cette cérémonie solennelle. Sans oublier les membres du cabinet du chef de l'État, ainsi que son Excellence, Monsieur le ministre national des Transports. Et tous les invités ici présents, tout protocole respecté, soient également remerciés pour leur présence. Enfin, je termine ce chapitre introductif en souhaitant la bienvenue à Kinshasa, à la délégation des membres du bureau permanent de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, conduite par Madame la Présidente de ce bureau, ici représentant les filles et fils de l'Équateur. Les mêmes souhaits, je les adresse aux gouverneurs des provinces, chers collègues, de l'espace Grand Équateur et à la délégation de la société américaine AIG internationale, conduite par mes états. Par-dessus tout, je rends grâce à l'intermédiaire en qui je me confie, en lui renouvelant chaque jour ma confiance et qui accomplit en faveur de ma population et de moi-même des espoirs. Lui, la lumière par excellence. Excellence, honorables et distingués invités, je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de rendre mes hommages les plus déférents à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilo, président de la République et chef de l'État, pour sa diplomatie agissante, laquelle a permis à la République démocratique du Congo de redorer son blason, autrefois terni. La cérémonie de ce jour est sans contester la conséquence positive de cette diplomatie et l'accomplissement de la promesse du chef de l'État faite à la population de l'Équateur lors de la 9e session de la conférence des gouverneurs des provinces en Bataille. Excellence Madame l'Ambassadrice, distinguées invités, la signature ce matin, dans cette somptueuse salle, la main d'or de l'hôtel Béatrice, entre d'une part l'Agence des États civils pour le commerce et le développement, ici représentée par Madame l'Ambassadrice des États-Unis d'Amérique, donatrice de la subvention estimée à environ à 35 millions de dollars américains pour la construction d'une centrale solaire de 35 MW et la province de l'Équateur bénéficiaire, et d'autre part la société AIG International des États-Unis d'Amérique pour le partenariat et mise en œuvre de ces projets d'électrification, auxquels s'ajoute l'installation d'une station de recharge solaire de 500 kW vient de relever les grands défis de développement de notre province. En effet, l'exécution de ces méga-projets va relever le niveau de vie de la population, créer des unités économiques et industrielles et des emplois, faisant de l'Équateur l'une des provinces qui va utiliser en premier les véhicules, motos et bicyclettes électriques. Pour votre information, la cérémonie de ce jour vient davantage sceller les partenariats entre la province de l'Équateur et l'AIG International, qui a déjà installé 600 panneaux photovoltaïques sur les 1600 commandés sur les fonds propres de la province. La ville de Madaka comptant aujourd'hui 1482 lampadaires installés devient l'une des villes la plus éclairée des provinces du pays. Cette cause se poursuit aussi dans les territoires. S'agissant des infrastructures routières, outre la réhabilitation de l'emblématique route Madaka-Bikoro et l'axe Karamba-Ingéni, tout praticable, la voie urbaine de Madaka attend de recevoir 16 km d'asphaltage dont les travaux sont en cours d'exécution par la société chinoise GGPI.
Excellences, Madame l'ambassadrice, Mesdames et Messieurs de la délégation de la société AIG internationale du Saint-Esprit, la province de l'Équateur, sous mon leadership, prône l'économie verte et reste favorable aux énergies renouvelables. J'ai compris qu'un arbre de goût est plus important et plus valeureux qu'un arbre abattu. D'où mon alignement à la conservation de la nature et au processus humain des prix. Tout en négociant auprès de mes partenaires dans ces domaines des activités alternatives et des revenus compensatoires en faveur des communautés locales. Depuis 2019, je suis en partenariat avec la FAO et son partenaire WWF par l'entreprise de Fonaret pour un programme RED de plantation de 15 000 hectares d'arbres fruitiers à chenilles et pérennes. Outre la sauvegarde des forêts, la province de l'Équateur protège aussi ses vastes tourbières dont elle assure les leaderships. Mon ambition est de faire de l'Équateur le berceau de la solution que la République démocratique du Congo apporte au monde et dans le domaine de la crise climatique et obtenir de manière méritoire les revenus des crédits carbone. C'est dans ce contexte d'adéquation entre la vision de l'économie verte prônée par la province et l'assistance américaine par la fourniture à cette dernière des énergies renouvelables que je voudrais exprimer au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi de Tshilo, en celui de la population de l'Équateur et au mien propre, toute la gratitude à l'agence des États-Unis pour le commerce et le développement. Et la reconnaissance sincère à l'AIG International, porteur et exécutant du projet. Je voudrais, à travers ce projet, dire que le temps de la lumière est accompli. L'ère du développement a sonné et invité les filles et fils de Madaka à y investir avant les autres investisseurs, car nous n'aurons plus d'excuses. Excellences, Madame l'ambassadrice, Mesdames et Messieurs de la délégation de la société AIG internationale, distingués invités, c'est sur cette note de remerciement et de gratitude aux partenaires américains et d'invitation aux Équatoriens d'investir à Madaka que je lance les études de faisabilité impliquant des analyses techniques, financières, ainsi que des évaluations d'impact environnemental et social pour la mise en œuvre à Madaka du parc solaire de 35 MW. Et vive la coopération RDC, États-Unis d'Amérique, et vive la province de l'Équateur, je vous remercie. D'abord, pour dire merci à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, parce que ce problème d'électricité à l'Équateur, c'est depuis très longtemps que nous avons commencé à parler de ça. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour notre province, non seulement les notables, mais pour toute la population de l'Équateur. Alors, premier remerciement, d'abord le gouverneur lui-même, nous l'avons toujours dit que Bobo Boloko c'est un homme de terrain. Et il a prouvé, comme lui-même l'avait dit autrefois devant les chefs de l'État, Bassa Kapé Onono. Deuxième remerciement d'abord à nos amis américains
parce qu'on reconnaît les meilleurs amis pendant les périodes les plus difficiles. Et là, vous êtes avec nous. D'abord, pour notre République, c'est une très bonne chose. Et nous vous disons merci pour ça. Accompagnez-nous jusqu'à la fin. Et nous voulons vous demander, nous allons aussi demander au président de la République, que ça ne reste pas seulement pour l'Équateur, la province de l'Équateur. Mais pourquoi pas élargir l'Équateur, Tchouapa, Mongala. Si vous partez, ça serait une très bonne chose. C'est ce que nous allons demander à vous et au président de la République pour qu'on puisse élargir. Troisième remerciement au président de la République. Vous savez, il n'y a pas d'électricité pour l'opposition et pour la majorité. C'est pour tout le monde. On a allumé là-bas, c'est pour les opposants. De l'autre côté, c'est pour la majorité, pour l'Union sacrée. Non, c'est pour tout le monde. Et quand il fait quelque chose de bien, il faut reconnaître que ça, c'est une très bonne chose pour notre province. Et quand on parle au nom de la notabilité, il n'y a pas de couleur politique. Là, c'est pour la province. Et nous disons merci au nom de la province, au président de la République. Il a réalisé ce qu'il nous a dit. Et nous allons accompagner, nous serons en Kandaga pour voir que ça se réalise et ça va aller dans notre province. En tout cas, transmettez au président de la République, monsieur le gouverneur, le cabinet, nos remerciements en tant que notabilité de la province de l'Équateur. Merci beaucoup. Voilà, merci à tous et à toutes. Bienvenue chez nous. Nous sommes en direct de Kinshasa, sur place na Béatrice Hôtel Awa. Tous en a coordonnateur, il y a presse, il y a gouverneur, il y a Équateur. Mais également Ndeko John Ngefa, le prophète que vous connaissez très bien. Toi qui na conférence Awa, qui mixé na bandeko ya ambassade des États-Unis d'Amérique. Alors, on va savoir quand même le but ou encore l'objectif il y a rencontre le Zaginini. Ndeko Mika, bonjour. Bonjour Ndeko journaliste. Monde entier ba hotel abisso à travers nos chaînes internet. Kombonani et puis Moussa Nessami Lelo. Merci beaucoup Bato Bayebingaï, Ndekomika Longango, Nazali coordonnateur et c'est la communication gouverneur et Équateur. Et puis toye awa na Kinshasa na gouverneur à province et longo moko na bandeko ya bureau et assemblée pour na ko rekosala ba accord signature ya ba accord entre gouvernement américain ou ezali ko zala représenter na madame ambassadrice. Puis na gouverneur la province Équateur pour na couper sa courant na province Équateur. Donc William Bandaka à très bientôt et ça vous allez éclairer selon vision il y a chef de l'État Fatou Béton puis na où ça vous incarner pouvoir puissance na YP pour représenter valablement. Donc yé Azali Bongo représenter à chef de l'État. Yende à l'obaratang on y soke basala rapé boni. Tant un mandat na yé ndenge makambo Azali que vous allez accomplir aujourd'hui. Courant Mbalali Bosso yé Banda Équateur et Banda Équateur. Lelo, gouvernement ya Amérique. Boyo kindenge imno na bango ebeti mbali boso kutuna yo kango boye. Et ça linga chair de poule. Donc on est anglais. Na yo kango vraiment en anglais. Na mona ko ndire na za na Hollywood. Donc nzo kande na za na kati ya Kinshasa, na kati ya RDC. Mona mboka bobo bolumbu aza motinda mianzambe ndenge na yo kake pa ya prophète Nzefa. Alors ba pena ya solo. Donc lelo ezala ki ba signature accord. Il y a signature pour na lotili qui courant na mboka Mbandaka et que vous allez embaler les bosso na histoire. Na mboka wana na accord wana zande ko Steve Mbandaka et solo linenge nini na ba accord. Pour t'avoir que na ba accord et ka bino pe boko pesa, ba mbe boko pesa. Ezali don ba sali kara na Mbandaka na Équateur mobimba to ezali boyoka ni moko boye bango pe bazane loko ba kozele pa na biso loko ba Kongo mani pour toyeba. Nde ko nangana kanisa uta ko landa chef de l'État Fatou Béton. Dernièrement, aouti nambo kambandaka. Et notre discours naie oyoka ki mambo alobaki. Alobaki li kambo itali courant, ezali li kambo ezali ko nécessité na ville ya Mbandaka. Oyo pe na Mbandaka esengeli courant puisque oyoka ki même population baza koyemba courant, courant, courant. Alors en présence à chef de l'État, nde a pesa ki promesse wana et a kokisi yango. O balobaka pouvoir discrétionnaire du chef. C'est na kati agenda naie pona ko komisa mboka Congo et kende li bosso. Moko yamakambo ezali courant et puis yango wana bandi yango na mboka Mbandaka ezaba accord au chef de l'État a sepeli
puis il y a gouvernement provincial, les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. 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 Mais les lots, tu as la Équateur avec mon amboka Bolom. Bobo Bolo ah Zambé Bobo Bolo Kobolum. Il faut le faire. Moutou a un souci à Mboka, moutou a un souci à province na Ndeko. Et ça, c'est un Zambé, c'est une prophétie. Parce que tu es un Léka, tu es un Ngambé, tu es un Minene, tu es un Mukanda Munene, tu es un Bisson de Boy, Bisson de la Sorbonne, Bisson de la Boye Boye, tu es un Koka et un Ngote. Quand tu es un Zambé, tu es un David. La Moussi, il y a un poisson. Après ses pouvoirs, après ses bâtons de commandement, à Betima, il y a un Fungwami. Il y a Israël qui est ici. Donc, on a un peu de temps pour que les gens soient Zambé. Alors, voilà. M. Le Cordon, vous êtes conscient que l'Équateur, c'est l'une des provinces reculées à Congo? Non. Province, c'est allé reculer, ce qui m'inquiète, c'est ça. Vous avez raison de dire ça. Parce que, ils ont un peu d'Équateur, ils ont un peu de l'Équateur dans Ndengamabe. Vous avez raison, ils ont un peu d'Équateur. Mais l'Équateur, ils ont reculé, l'Équateur, ils ont beaucoup de depuis Kala, dans le Coquelatteville. À l'époque, on a eu un bon cannabis au Coquelatteville, ils ont abattu. On a eu un bon cannabis au Bandaka. Ils ont un policier qui a été en Bolenge, qui a été en Yébiwana. Équateur, ils ont été en Bandaka. Ils ont été en Bandaka. Ils ont été en Mabé. Alors, quand ils ont été Bandaka, ils ont été en Bandaka. Ils ont 24 heures sur 24 heures, éclairage public partout. La province, ils ont été chef de l'Emsoubana Moulili. Et bon, Maï, il y a un courant. Maï. Ndeli Kamboyo, Maï Ezali, premier Maï Ezali, Ezali qualité. On voit ici, il n'y a pas quoi, l'électrification. Ils ont toujours un problème, il y a une machine pour retourner. On voit bien, il y a des gens qui ont un carburant pour retourner le groupe. Ils ont un peu un peu reculé, archaïque. Et les gens ont un peu de vitesse, il y a la technologie. Raison pour laquelle, tout le monde a un peu de temps. Tant que le gouvernement a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Ville et Peli, Babalabala et Tamboli. Papa, les gens qui ont vu la mais il faut que mon ango, toi, comme appelé, que tu observes, papa. Prophète, à outre, que tu as un chef de l'État dans Bandaka, en arrivé na ye. Prophète, tu as un Bandaka. À Tambolaki, à Monaki, Babalabala, Boué, Mouin des Opéla. Bandaka, Boué. Et ça, les gens qui ont vu Siko, je crois que tu es dans la télévision, on est arrivé à Béton. Fatih Béton qui est un Bandarabo, Monaki. Commandant aéroport, centre-ville, c'est bon. Dans les bombes, à venir Nyonso Mouji, Itela, à venir Bonsomi, à venir Nyonso Wana, Bolenge, partout, même dans les coins, il y a Mbandaka, au Komonaki, Balabala les a déjà, ok, les lones de Zolobawa, Tala Balabala, il y a venu Djombo, oh, ils ont pesa, et pesa qui polémique, à côté de la population, va fonder depuis la Belge, il n'y a même pas autant de monde, mais les lones de Zotambola. Voilà, Ndeko Sadra et Kakangaï, Cordon, question à Nézali, par rapport à Yolobi, Bakor Nézalaka. Ils ont donné, Est-ce qu'il y a un corps qui est en défaillance pour la bande en Bandaka? Non. Comme on a été, nous avons dit à l'Est, il y a un corps qui est en Les lots côté à l'Est, ma tante est côté, Koukou Fatan, on y a surtout. Est-ce qu'il y a un corps qui est en désaccord pour la bande en Bandaka? Merci beaucoup. Un accord qui a été fait pour la bande en pour la bande en Bandaka, un jour, non, exacté. Cela veut dire que les Kambo ont été atteints. Accord, ils ont été atteints. Mais les Kambo ont été atteints. Ils ont été atteints. Ils ont été atteints. Ils ont été atteints. Ils ont été atteints. Le président Félix Tshisekedi, na politique, na ont été bunda pour ont été atteints. Ils ont été atteints. Pour ont été atteints. Ils 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 ont été atteints. Merci beaucoup, Cordon. Sans occuper Rokenayo. Tout le monde est là. Bon, de Rongefa, le rôle du Cordon, ça n'est pas un problème. Tout le monde hier, Mani, qui est la première dame. Tout le monde est là, le gouverneur Boloko Bobo.
et comme mon influence tonnenge nini po lobi manike a pile bino tout na maman Denise mais yo pelelo na ville awa chaozu la ngefa ça la dit concentré le boye awa na gouverneur et comme ben influence ben comment John ngefa non oyebi Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 à 4 chaque chose à son temps ko comparer ngai lelo na manike te parce que manike a produit na Congo et l'autre côté. Mais il y a des provinces qui sont en Équateur. Ce qui est dans le gouvernement. Ils ont retiré le Congo. Manique reproduit dans le Congo. Mais qu'est-ce qu'il va produire au Congo? Il va produire Nini. Ce que je n'ai pas, Bobo, Bobo, Loko, Bolumbo, Tobenge. Vidéo. On a tout là. Bobo, Boloko, tout là. Nina Bengaï. Et Gaïsola. 6600 volts. Timboyoka. Donc ça date na kangami beta na kita beta na kiti siko ça dit quoi tata wana aye le col à Moïse ba gouvernement le kai belé ba conti ba le kai belé Jérémie Exode 20 verset 7 ne portait pas de faux témoignages avec ton prochain bino ba pangani sango nzamba ko samisa bino mbanda ke zalika na ba sango ya mabe sango ya mabe mbanda ka molile kul moto aye na développement ba sala ka pe boni. T'as Bobo aïe, ils ont respecté 145 territoires. On a présenté pour ça qu'il est déjà go. Bon, quand ils ont une ville à Kinshasa. Sauf qu'il est là, il y a un bolomba boué. Ils ont une bande à boué. Ils ont une bicoro boué. Ils ont une ingéla boué. Ça, c'est un peu bon. Ça veut dire quoi? Bitumba, il y a un bitumba, il y a un bitumba, il y a un bitumba. Mon tour, il y a un bitumba, il y a un. Combien de gouvernements quota? Et là, on dit. Est-ce que le gouverneur Bobo, en gros, allez qui? José Makila, l'équipe Bato Baleka Kuna. La vérité, je crains Dieu. Jean 14, 6. La vérité, à l'équipe Bango, tout. Je te montre ça, mon sala, le col à Bobo Boloko, Azate. Kuruna, le moyen à Kinshasa, Ao. Comment il est côté? Mais Kuruna, c'est pas ouais, Kenda qui dit dans le mur, c'est pas Kuruna. Le long line hôtel na Vandaki. Na Vandaki na Mbandaka 1. Na Zolongwa, na résidence 4 maisons, 6 maisons, na 2 heures. Kimia. Bobo Boloko a une loco moko ya mwana na Nzambi. Bobo, vous avez dit que 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 prière avez na lobi moi j'étais là. Na avez dit que vous avez dit Paris, au Bruxelles, et que ça avez dit hein? Alors tata wana, tela mbanda ka mbanda ka toba di kamba courant mboke e développer na courant. Courant na kisasa. Bon, je la pardon. Je malembe. Mobutu a sala 32 ans. Il est mon équateur. Si tu es loco, tu es un peu plus de temps. Ça dit quoi? Papa yo to soutenir, papa yo to sungaye a kende liboso pour mbanda comme quoi ba goma et comme quoi la pe ba lumumba si mbanda ko songa si mate parce que mbanda ke tali vin moko plate oyo pétrole les awad si mabakoro ngoto no tuna ki ba merke balanda pétrole on dit dona les gens ne comprennent pas parce que pétrole les choses awana. Les Américains cherchent du pétrole. Pétrole est en Libye. Partout. Source en Angola, il y a un mbanda kawan. Oye, la société, ba société belé, boyo kanesate. Tout comme on a foyer. Papa na maman dialogue sate. Et comme à lobby, moi la bimi face à Kimindaku, moi la commune à Balabala, moi la roule à la Wense. Pour nous, dialogue sate dans la foyer. Oboni, les lobby d'elle, Basanganaki, Basali, héros. Bon, on connaît ma casse pour la dialogue. Dialogue de sali, dollar, les lobby de salamakas. Dialogue de sali, les livres sterling de salamakas. Y'a un moment où dialogue est nécessaire, na vie na biso. Dans tout ça, dialogue est unitaire. Tcha tchiki tcha, Congo dialogue, Congo dialogue, Congo dialogue. Tous abonnés, vous soignez sur la Congo dialogue, sérieux, tchiki.